Re. Ah, comme je te disais, on a préféré relancer vu que si on arrive à la fin de la prison. C'est ça le problème, c'est que comme on découvre en même temps que vous, si ça tombe, il reste 10 minutes de prison avant une cinématique. Attends. Comme on rappelle, on découvre, mais en même temps, on se renseigne sur les trésors, les dialogues à avoir. Ce sera un fun solus normalement. Si tout va bien. Entrer dans la prison. J'adore le truc. À quoi ? Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors ? Qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant ? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery ? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps ? J'aurais pas ton temps. Tu te rends pas compte qu'il l'a libéré pour ça ? Si. Je viens de comprendre que c'est ça maintenant. Je sais, à peu près. En fait, tu vois, c'est. C'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même des pistes solides. Oh, d'accord. Attends. Non, attends. Non. Hé, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord ? Il me faut juste un peu de temps. Dame un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que... Passe-moi le couteau. Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non ! Combien de temps ? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible. 3 mois, la moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Par contre, il faut qu'on m'explique un truc. En quoi un baron de la drogue a besoin de trouver un trésor ? Oui, parce qu'il est fric, il est riche. Il doit être légèrement... La ville la plus proche. Plein aux as, que... est à 10 km dans cette direction. Après, peut-être que c'est pour le prestige. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein. Vamos! Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel! Bonne soirée. Bye. Donc, Alcazar m'a laissé mettre les boules. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on reprenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste ? Arrête, il n'y a plus aucune piste.
Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles ? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. Bah, c'est juste la sans, il est là chez lui. T'en es sûr ? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. Raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Ça sent le piège. Alors, cette magnifique pièce... Pas tellement le piège, mais l'embrouille. Dans 3 jours, au domaine Rossi. Au domaine Rossi ? Ah, tu connais. Bah ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça ? Non. On va la voler. J'adore. C'était tellement prévisible. C'est trop ça. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi ? Non, sérieux, non. Et ça, même sans savoir qu'ils seront ensemble après. Hein, en plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont. C'était gros comme une maison. Mais oui. Pour faire ce genre de truc. Comme qui ? Je sais pas moi. N'importe qui. Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui que j'irai voir pour un coup comme ça. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges ? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. C'est vrai qu'il n'a pas trop le choix. Il y a Sully qui peut nous aider. Sully, tiens la rescousse. Je crois que c'est lui qui t'appelle. Ah non. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais. Oh, c'est pas bien. Je crois que je vais finalement accepter ce job. A bien de mentir. Ah, elle va forcément l'apprendre. Ben oui, on le sait toujours. Oh putain, les bagnoles. Ouais, il y a des Maserati, Lotus, et j'ai pas vu les autres. Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Ferrari. Et toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. Sullivan, ce que je vois, il stocke les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es ? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok ? Des trésors, tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam. Mais on sera déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions ? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre ? Sam, il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. C'est tout Sullivan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. C'est pas le genre à se faire prendre. Qu'il va pas garder la croix. Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, comme dans le 1. On parle bien du même Victor. Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de mais, la vérité. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis.
Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois ? Ah, il gère ce mec. La confiance. En plus, ce serait étonnant qu'ils doublent après tout ce qu'ils ont vécu. Merci. Ouais, c'est vrai, moi, la raison, il aurait pas de me salir. Ah, donc. Tiens, tu sais que je m'attendais à prendre le contrôle du truc. Ah ouais, c'est ça, c'est moi qui ai le contrôle. Alors, ici, non. Donc c'est par là, non, c'est pas loin, non. Merde, je sais plus, non. C'est pas encore là. J'arrive pas à croire que je suis sorti. Ouais, c'est ici. Avec toi, non, en Italie. Moi non plus. Cela dit, j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances. Non, c'est pas encore. Ouais, c'est sûr. La vue est plus sympa de ce côté. Oh. Mais attends. C'est pas la première. Remets la vidéo, ouais. Non, ça doit faire. Juste vérifier un truc, ouais. Troisième fois. Pour des petits boulots à chaque fois. Avec Sullivan. Oui. C'est ici. C'est ici, ouais. Donc il faut prendre. Ah non, c'est pas tout de suite. C'est encore, c'est un peu plus loin. Ouais, mais c'est pour avoir un endroit bien. Ok, c'est là-bas, mais. Ouais, c'est voilà. Ça. On va ici. C'est ça. Mais on pose. Alors. Je reprends le truc. Ici à gauche, là-bas au bout à gauche. Ouais. Au bord de la falaise. Comme on dit, ouais. On fait bien attention parce qu'on l'a pas encore fait donc. Et le prochain, c'est. Il est là. C'est ici. Regarde la belle maison, non ? Je vois pas comment. Non, c'est pas encore. Ah, d'accord, ça sent le. Regarde, il y a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre avec la corde ? C'est à moi que tu poses la question. Vise un peu ça. Ah oui, on peut la rater en plus. On peut la rater ? Ouais. On est obligé de la rater. Tu vois, tout est dans le poignet. Allez, vas-y, essaie. Ça fout la gueule du Fiat. Ouais, pas mal. Pour une seconde tentative. On y va. Bon, ok. je connais pas cette séquence, mais je sais pas pourquoi quand je t'ai vu sauter, je me suis dit, à mon avis, c'est plutôt pas là. Il y a pas de. Voilà. T'as vu ça? Waouh, un vrai pro. C'est ton tour. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont là en train de gueuler. Bah, faut te dire, ils sont dans un truc, donc. On va pas monter plus haut, non, on est obligé de descendre, d'accord. Ah, je rate mon coup, moi. Non. L3. Ou pas. Okay. Je pense que tu pouvais te balancer à une corde. Ça aurait été plus vite. Ouais, comme lui. Ah, ça y est. Révolte. Y'a quoi ? Révolte chez moi. Attends, la France. Ah, une révolte chez moi. La guerre. Voilà, allez. Allez. Ok. Ouais, d'accord, c'est bon, je suis pas un pro. Non, je rigolais, c'est la corde qui se défait toute seule. Ça me fait rire. Y'a aucune raison que la corde se défasse, mais. Oh, bien. Je sens qu'il y en a qui vont finir dans le vide. Oh, si.
Ou pas. Ou pas. Ou pas. Wow. Il parle italien, c'est vrai? Ouais, c'est incroyable, mais j'ai été surpris. Franchement, je croyais que... Ah ben... On y est. Ouais. Alors, je sais qu'il parle ici, là. Voilà, la fenêtre. Ouais. La fenêtre. Voilà. Faut le trouver, attends. Faut le trouver, faut le trouver avec, hein. Tu vas, il faut le trouver pour pas pour le rater, quand même. Oh, on va dans la maison. Je t'invite. 15 minutes, stop. Ah, ben parle. Allez, on fait juste le truc. Comme quoi, ah, parce que là, on l'a déjà déclenché. L'odeur d'un citron frais. faire de la moto, par exemple, ce sont des petites choses, mais ça change tout. Voilà, stop. Ah,